Aujourd'hui, nous sommes à quelques pas du lac Garda, dans la province de Vérone, en Italie, à proximité de nouvelles constructions. Nous avons été contactés par un client pour un problème d'infiltration d'eau au niveau du sous-sol. Durant les constatations, nous avons pu définir que les infiltrations d'eau provenaient à la fois du sol et des murs. Nous avons retenu la technique Water Barrier parce qu'elle représentait une solution idéale à notre problématique tout en étant peu invasive et rapide à mettre en œuvre. L'intervention a débuté avec la perforation du mur concerné selon un maillage régulier. Des trous d'environ 12 mm de diamètre ont ainsi été réalisés. Durant cette phase, des écoulements d'eau sont assez fréquents. Les caractéristiques spécifiques de notre méthode dépendent principalement de notre mode opératoire et des matériaux utilisés. Seuls deux matériaux sont utilisés, une résine expansive et un gel saturant. Après les avoir découpés à la longueur souhaitée, les tubes d'injection sont introduits au sein des trous précédemment effectués afin de pouvoir injecter alternativement la résine expansive et le gel saturant à l'arrière du mur pour le saturer totalement. La première étape consiste à injecter la résine expansive pour remplir les vides macroscopiques et confiner la zone du traitement. Après l'injection, la résine s'expanse rapidement grâce à une forte pression de gonflement. En plus de remplir les vides, la pression exercée par la résine consolide le terrain situé à l'arrière du mur. Ensuite vient la phase d'injection du gel saturant qui va compléter le comblement de la zone confinée par la résine à l'arrière de l'ouvrage. Pour ce type de construction, l'utilisation d'une technique traditionnelle serait beaucoup trop compliquée. Le procédé breveté Uretech Water Barrier permet de réaliser une barrière imperméabilisante à l'arrière d'un mur ou sous des fondations. Le cas échéant, Uretech procède à des travaux de finition en imposant un enduit spécial capable de résister à une pression d'environ 10 atmosphères, ce qui équivaut à la pression observée à 100 mètres de profondeur. Toute l'intervention s'est parfaitement déroulée et nous avons obtenu l'entière satisfaction du client. Malgré la surface importante, la rapidité de mise en œuvre du procédé nous a permis d'intervenir sans affecter le quotidien des résidents. Nous sommes ravis de l'intervention de Water Barrier parce qu'elle a créé une barrière imperméable qui préservera le mur de futures infiltrations. L'infiltration d'eau au sein d'ouvrages enterrés représente un sérieux problème. Uretech a développé la technologie Water Barrier pour y pallier définitivement.